Je vais dire une fois de plus, bonjour à tout le monde. C'est vrai que hier, quand je quittais, j'avais dit, juste après la prière du vendredi, mais vous comprenez, on dit l'homme propose, Dieu dispose. Évidemment, j'étais un peu occupé, donc ce qui fait que j'ai pas pu respecter mon programme. Je devais terminer un travail vraiment qui me tenait beaucoup à cœur. Et je rends gloire à Dieu. J'ai pu finir le travail. Bon, ben comme nous l'avions dit hier, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de remarques à faire, il y a beaucoup d'observations à faire. Essayons tout simplement de nous élever au-dessus des réactions partisanes et essayons de nous mettre à un niveau beaucoup plus élevé pour mieux apprécier la scène politique ivoirienne. En politique, il y a une chose qu'on m'a appris. On ne donne jamais en politique. On ne donne jamais gratuitement en politique. C'est quelque chose que j'ai appris et qui, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu le contraire de ce qu'on ne donne jamais en politique. Jamais. Tu vas chercher. Tu vas lutter pour avoir. L'indépendance de la Côte d'Ivoire, est-ce qu'elle a été octroyée à la Côte d'Ivoire sans que les Ivoiriens ne manifestent le désir d'être libres et indépendants eux-mêmes, même si ça n'a pas été violent? D'une certaine manière, l'histoire essaie de camoufler un peu la réalité, mais nous savons qu'il y a eu de la violence. Mais les Ivoiriens ont dû se sacrifier pour qu'ils puissent avoir cette indépendance-là. Donc, elle ne s'est pas faite de façon gratuite. Elle a été faite au prix de multiples sacrifices. Nous n'en avons pas évoqué ici. Je vais prendre seulement les grandes phases, hein, les grandes étapes. Après l'indépendance, le multipartisme. Et tout le monde sait que le multipartisme n'a pas été une chose aisée. Merci à toi, mon frère Ibidjaz. J'apprécie beaucoup ce que tu fais parce que tu es un très grand batteur. Que Dieu continue de te bénir encore, mon frère. Vraiment, merci beaucoup. Alors, merci à toi, Zouzou. Alors, aucune lutte ne s'est faite de façon fortuite. En 1989-90, quand Gbagbo est venu, Gbagbo a demandé l'application de l'article, je crois que c'était l'article 11 ou 7 de la Constitution à l'époque, parce que le multipartisme était inscrit dans la Constitution ivoirienne, mais n'a jamais été appliqué. Le multipartisme existait dans la Constitution ivoirienne, mais n'avait jamais été appliqué. Donc Gbagbo Laurent a demandé que la Constitution soit appliquée, ce que Oufouya a fait. Malgré que Chirac soit venu pour dire que nous n'étions pas prêts, on n'a pas écouté. Tout ce qu'on voulait, c'était être libre et faire une nouvelle expérience. Gbagbo a failli perdre la vie. Vous vous rappelez de ce vendredi noir où sa femme et lui, de justesse, ont été sauvés à la cathédrale. Mais n'oubliez pas qu'à cette époque-là, le premier ministre, en même temps président, c'était Ouattara. Faut pas oublier. C'est important de le garder en esprit. À cette époque-là, c'était Ouattara qui était le premier ministre et Oufouy était très affaibli par la maladie. Donc, les Ivoiriens ont lutté. Il y a eu des arrestations, il y a eu même des morts, il y a eu des blessés. Finalement, la Côte d'Ivoire a accédé au multipartisme au prix d'une lutte véritablement engagée. Merci à toi, Koné. Alors, donc, ça fait deuxième grande étape de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. La troisième étape, c'était ce qu'on appelle
Parce que quelqu'un voulait être candidat, il ne voulait pas être candidat. Quelqu'un voulait être candidat, on dit tu ne peux pas être candidat, je veux être candidat, il ne peut pas être candidat. On a vu ce que ça a causé. Il a voulu forcer la voie. Donc, il y a eu un coup d'état militaire en 99. Coup d'état qui a été reconfirmé le 19 septembre 2002. Et on a forcé la main au président Gbagbo. Là où Guéï n'a pas accepté en 2000, on a forcé la main au président Gbagbo de l'accepter. Hein, après plusieurs discussions, jusqu'en 2007, où il a accepté de discuter avec Soro Kibafore-Guillaume. Alors, je vous explique ceci parce que j'ai un objectif. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Voilà pourquoi je poursuis ce cheminement-là. Le fait que Gbagbo ait accepté de discuter avec Soro, Gbagbo a beaucoup perdu dans son propre camp. Gbagbo a énormément perdu l'estime des durs du régime. Mais ils sont restés loyaux à Gbagbo. Simone, elle est vivante, elle peut témoigner si je mens. Je sais parce qu'on m'a appelé pour me dire qu'elle suit mes vidéos. Simone Gbagbo sait que je dis la vérité. Si je mens, qu'elle fasse une vidéo pour dire que je mens. Il y a eu la pression sur Gbagbo Laurent. Pourquoi il a accepté? Donc Gbagbo dit, pour aller à la paix, il faut accepter de perdre un peu pour l'intérêt général. Gbagbo a accepté. Soro Guillaume, il a failli perdre la vie. Le RPG qui a été lancé contre son avion, ce n'était pas Gbagbo Laurent qui avait ordonné ça, mais c'était Alassane Dramane Ouattara qui avait ordonné ça. Parce qu'à l'intérieur de la rébellion, Ouattara avait toujours ses propres espions. C'est comme ça que l'homme y fonctionne. C'est ainsi qu'ils ont tenté de le tuer. Quand il s'est lancé dans la logique d'une réconciliation pour trouver une paix afin de mettre un terme à cette crise-là. Salut Willy. Alors donc vous avez vu, pour qu'on puisse arriver à ces élections de 2010, beaucoup de concessions ont été faites, beaucoup de choses ont été sacrifiées, des vies humaines ont été sacrifiées. Quand vous regardez le processus et voir que Ouattara a mis en place cette scène théâtrale hier à Yamoussoukro et vous voulez qu'on croie à ça, quand Ouattara sait comment il a fait pour arriver au pouvoir, combien d'Ivoiriens sont morts pour qu'il soit au pouvoir, combien de personnes sont jusqu'à présent emprisonnées et vous voulez qu'on croie à la sincérité d'une telle personne et vous voulez qu'on applaudisse que parce que Ouattara dit qu'il ne sera pas candidat. Alors, vous voyez, c'est ce que nous avons. Quand j'ai vu l'image de Kandia Camara en train de pleurer, parce que Ouattara ne sera pas candidat avec Adjumani, j'étais tombé malade. J'étais tombé malade. Alors, cela doit vous donner une idée que les gens là ne voyaient pas la Côte d'Ivoire comme étant une entité plurielle. C'est-à-dire appartenant à tout le monde. Ces gens-là voient la Côte d'Ivoire comme une entité personnelle, comme une entité privée, comme un domaine réservé, comme une chasse gardée, quelque chose qui appartient uniquement et seulement au RHDP. Les autres Ivoiriens sont. C'est l'image que ces deux-là ont véhiculée. Et à travers eux, c'est l'image du RHDP. Mais Ouattara n'est pas celui qui a donné l'indépendance à la Côte d'Ivoire. Alors, quand je vois Adjumani pleurer et puis je vois Kandia Camara pleurer parce que Ouattara dit qu'il ne sera pas président, qu'il ne sera pas candidat autant pour moi. Alors, c'est une personne comme ça qui est notre ministre de l'Éducation, celle qui est chargée de veiller à la bonne éducation de nos enfants. C'est l'image pathétique qu'elle a montrée hier à Yamoussoukro. On se pose des questions, où est-ce qu'on va avec cette Côte d'Ivoire-là?
Alors, la plaisanterie de Ouattara hier à Yamoussoukro, c'est la farine aux yeux. Je vous dis, Ivoirien, le véritable combat reste à mener. Ne vous laissez pas distraire. C'est de la pure comédie que Ouattara a fait hier à Yamoussoukro. Écoutez-vous bien. Si Ouattara réellement voulait prendre sa retraite, comme il veut le faire croire, parce que nous, on sait que c'est faux, puisqu'on se connaît, s'il voulait réellement prendre sa retraite, quelle est l'intention de vouloir modifier en même temps la Constitution? Au lieu que le vice-président et le président, comme dans toute démocratie, soient votés ensemble, lui, il dit non, 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 le vice-président sera nommé comme le premier ministre. Mais regardez un peu. Donc, dans quelle intention Ouattara fait ça? Dans quel objectif il fait ça? Pour avoir toujours la mainmise sur le pouvoir. Mais toi, tu t'en vas. Hein? Tu as fini tes deux mandats, tu t'en vas. Maintenant, tu dois rester dans ton petit coin. Si on vient te consulter, c'est ça, comme le président ghanéen John Rawlings, il est dans son petit coin. Comme le président Moussa Traoré, même s'il a été déçu par un coup d'État, il est dans son petit coin. Quand les gens ont besoin de conseils, ils vont voir Moussa Traoré, ils parlent. Quand les Ghanéens ont besoin de conseils, ils appellent John Rawlings, on lui pose des questions, ils parlent. Thabo Mbeki, c'est la même chose. Barack Obama, c'est la même chose. François Hollande, de temps en temps, Nick Sarkozy, comme lui, on l'a déjà classé, c'est autre chose. Alors, je veux dire que, en fait, c'est à cela que doit servir un ancien président. Alors, avant de partir, ce que Ouattara oublie là, moi je vais lui dire ça facilement, c'est qu'il oublie. C'est-à-dire, les mêmes Ivoiriens qui ont voté cette loi-là, les mêmes Ivoiriens, on va les rappeler encore pour remettre en place, Ouattara, tout ce que tu as retiré de la Constitution là. C'est la bonne nouvelle que moi j'annonce à Ouattara. Parce que le mensonge ne peut jamais perdurer. Le mensonge ne peut jamais prospérer. Ouattara, tu as menacé la Côte d'Ivoire parce que, selon toi, il y avait un article confligène qui t'empêchait d'être candidat. Tu as dit parce que je suis musulman et du Nord. Un, tu n'as jamais été musulman. Deux, si tu es du Nord, moi je ne le sais pas. Parce qu'un véritable musulman ne se comporte pas comme toi. Nous savons comment le musulman doit se comporter. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné sur les prédispositions et dispositions d'un véritable musulman. Le musulman qui plaît à Dieu. Le musulman qui répond à l'appel de Dieu. Le musulman qui sait que je peux faire quelque chose, mais je laisse à cause de Dieu. Le musulman qui se soumet à la volonté de Dieu. Le musulman qui reconnaît que Dieu est Dieu, le musulman qui n'est pas au-dessus de Dieu, mais le musulman qui se fait tout petit. Le musulman que quand on lui donne la gestion des hommes, il gère les hommes avec la crainte et l'amour de Dieu. Parce que quand Dieu te donne la gestion des hommes, c'est la tâche la plus compliquée au monde. Quand Dieu te donne la possibilité de gérer un groupe de personnes. Parce que si jamais tu commets une injustice, si jamais tu commets une injustice dans cette gestion-là, tu vas rendre compte à Dieu, forcément. Les gens ne savent pas, les gens sont, oh, je suis aujourd'hui patron, je fais ça, mais les implications spirituelles et religieuses, les gens ne connaissent pas. Parce que s'ils connaissent, là, eux-mêmes vont réfléchir deux fois avant d'accepter. En tout cas, si tu as la foi en Dieu, si tu es croyant comme nous le sommes. Alors, je ne vais pas rentrer dans la vie privée de Ouattara, mais tout ce que je peux dire, Ouattara n'est pas un bon musulman. Il porte un boubou blanc, il va à la mosquée. Avec les musulmans, ce n'est pas la même chose. Parce que l'islam demande des choses, eux, ils ne le font jamais. L'islam dit, il faut bannir, le musulman doit bannir le mensonge. Le musulman doit bannir le mensonge. Mais le mensonge est leur mode opératoire. Le mensonge, c'est le langage qui est inscrit dans leur gène. Le mensonge, c'est, si vous voulez, c'est le modèle identitaire du RHDP. Chacun ment comme il peut. Ils vivent et sans le mensonge, ils ne peuvent pas vivre. Ils ont besoin de mentir.
Cela t'a saoulé. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce que tu as fait hier. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci à toi, Soulé. Je aussi, j'étais avec lui hier. J'ai suivi son truc jusqu'à la fin. Vraiment, c'était. Je ne pouvais pas sortir parce que, bon, j'étais en même temps en train de travailler et puis je vous suivais. Donc, il fallait absolument que je boucle un truc là. Dieu merci, j'ai bouclé ça aujourd'hui. Alors, on est ensemble. Alors, pour dire tout simplement, merci à vous, les gars. Vous pouvez continuer sur vos fêtes parce que c'est la vérité. Il n'y a pas plus vrai que ce que vous avez dit. Je ne peux que confirmer ce que vous avez déjà dit en d'autres choses, sinon en réalité, vous avez tout dit hier là. Hein? Et ça, je vous dis encore merci beaucoup, je vous tire mon chapeau. Alors, donc vous voyez, en politique, on ne donne jamais. On lutte pour avoir. Si Ouattara vient dire, je ne veux pas être candidat, l'homme qui a dit depuis tout temps, la Constitution me le permet, la Constitution me le permet, je vais me prononcer en juillet. Je vais me prononcer en juillet. Nous sommes en mars là. Nous sommes en mars là. À combien de mois de juillet? Avril, mai, juin, juillet. À 4 mois, quelle est la précipitation? Quelle est la précipitation? C'est lui qui a dit qu'il allait le faire. Ça veut dire qu'il a quelque chose en tête. Maintenant, à nous d'entrer dans la tête de Ouattara et puis savoir. Quel est le plan diabolique, machiavélique, satanique qu'il est en train de préparer pour la Côte d'Ivoire? Parce que Ouattara ne fait pas ça pour rien. Je vous dis toujours que j'ai horreur d'avoir raison. Ça me fait mal d'avoir raison, mais bizarrement, avec ce régime-là, j'ai toujours raison. Et c'est ça qui me désole un peu. Je veux qu'un jour qu'on dise que j'ai tort. Ce monsieur, il ne l'a pas fait gratuitement. Il ne l'a pas fait de façon fortuite. Il a de bonnes raisons. D'abord, un, qui il va choisir pour être candidat? Nous, on ne le sait pas encore, mais les suspicions parlent de Gon Coulibaly. Est-ce que vous, en toute honnêteté, un gars qui n'a même pas 2% de l'électorat de sa propre base électorale, comment ce gars-là peut gagner une élection en Côte d'Ivoire? Moi, c'est la question simple que je pose. On va essayer d'analyser tous les scénarios. Hein. Je vais essayer d'être bref. Donc, on va essayer de voir les scénarios. Les autres pourront mieux expliquer. Hein. Les autres vont mieux expliquer dans les prochains directs, tout ça, tout là. Mais prenons le premier scénario. Bon. Vous savez que je n'invente rien. Les résultats sont sortis. Ouattara a mené un sondage discret et secret avec 3 instituts. On a les informations et Ouattara était très en colère. Comment nous avons eu les informations? Et dans chaque sondage d'opinion, il y a des endroits même où Gon Coulibaly se retrouvait avec 0, quelque chose pour cent. Au sein du RHDP, Gon Coulibaly n'a même pas dépassé la barre de 2,70%. 2,70%. Au sein du RHDP-RDA, dans sa propre formation politique, il n'a pas 3% d'électeurs. Alors, dites-moi, Ouattara, il sait tout ça. Ahmed Bakayoko, au sein du RDA-RHDP, pendant que Soro était dans, je crois, 48 ou 46, Ahmed était dans 20, à peu près. Ahmed était dans 20 ou 21 ou 22, quelque chose comme ça. Alors, en dehors de ça, Ahmed aussi nage entre 5 et 10, 5 et 10, 5 et 10. Ahmed n'a jamais dépassé 10. C'est au RDR seulement qu'il a eu, il est dans 20. Alors, Ouattara, il sait tout ça. Il est au courant de tout ça. Ouattara sait que ces deux poulains-là, en tout cas, les gens sur lesquels il peut compter, là, aucun, jusque aujourd'hui, là, ne peut atteindre 20% de l'électorat au plan national. Bon, lui, il va dire que lui-même va faire campagne. Il n'y a pas de problème. Il peut faire campagne. Mais normalement, si Ouattara est un homme avisé, si Ouattara réfléchissait un peu, s'il acceptait, nous, de nous écouter au lieu de nous combattre, de nous écouter au lieu de nous insulter, peut-être qu'il aurait gagné en intelligence et en savoir-faire. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, Ouattara sait que ça ne va pas.
D'abord, il doit se poser une question. Je dis que mon bilan est inattaquable, mais comment se fait-il que les Ivoiriens n'aiment pas les gens de mon parti? Comment se fait-il que les Ivoiriens n'aiment pas mon premier ministre? Comment se fait-il que les Ivoiriens n'aiment pas mon petit Ahmed? Mais ils savent très bien que ceux-là, ce sont mes petits. Ah, Ouattara devait se demander ça. Parce que quand tu dis que mon bilan est inattaquable, je suis propre, je suis bon, cela suppose que le bon travail que tu fais doit pouvoir se refléter sur chaque membre de ta formation politique. Chacun doit pouvoir bénéficier des bienfaits de ta bonne gestion. Ouattara, logiquement, n'a même pas besoin de faire campagne. Est-ce que vous comprenez? Ça dit, 2020, là, le RHDP n'aura même pas besoin de faire campagne. Les actions de Ouattara doivent faire campagne pour lui. Mais les trois sondages d'opinion qu'il a fait lui-même, secrètement et discrètement, ont prouvé que les Ivoiriens désavouent sa politique. C'est dans sa tête qu'il croit que son bilan est inattaquable. Moi, Gigaoué dit, même si lui dort là, tu le réveilles, il y a débat là. Lui, Gigaoué, ça en fait débat. Adama Bitogo, il dit il doit rentrer dans Bois Sacré d'abord avant d'aller faire débat. Non, va avec ça, va. Va avec ça, je suis pas là après. Ferme la porte. Excusez-moi une seconde, ferme la porte. Merci. Alors, Gikawe dit, lui, tu le réveilles même à minuit, là. Il va faire quelque chose. Tu le réveilles, il se réveille, là. Il va faire, comme on appelle, débat à la télévision. Mais, donne-moi une seconde, là. Excusez-moi, c'est mon petit là. Souvent, il me fatigue quand il me voit net. Alors, donc, regardez un peu ça. Regardez un peu le ridicule. Alors, Gigao dit, ce n'est pas lui. Non, pas Gigao. Adama Bitogo dit, non, 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 non. Celui qui pilote le projet, c'est celui-là même qui doit aller parler. Vous savez pourquoi Bitogo ne voulait pas aller parler? Bitogo est rancunier. Parce qu'en fait, Bitogo voulait le contrat de 460 milliards là. Il n'a pas eu. Donc il est énervé parce que Bitogo avait souscrit. Et le fils de Kafana Koné, qui est le directeur général de l'ONI, Office national de l'identification, est celui qui signe le contrat de cession. Donc c'est lui qui a signé le contrat avec la compagnie belge. Et lui-même, il a quelque chose à voir avec cette compagnie-là. Donc ce qui veut dire que au moins le tiers ou les deux quarts, ou les 5 tiers de l'argent du contrat là. C'est-à-dire, on dit 460, au moins 200 milliards là, vont aller dans des comptes offshore, on ne saura jamais où. Moi, je vous le dis, ils ne vont même pas mettre plus de 100 milliards de nos francs dans ce projet-là. Ils ne vont même pas mettre plus de 100 milliards dedans. D'abord, à l'époque de Soro Guillaume, est-ce qu'on a mis autant d'argent? C'est la question que je me pose. Parce que Soro n'a pas dit combien ils ont mis, même si c'est la communauté internationale qui avait financé. Ça, c'est un. Deuxièmement, à l'époque de Soro et de Gbagbo, il y avait 11 000 centres d'enrôlement. Cette fois-ci, pour 460 milliards, il y a seulement 118 centres d'enrôlement. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand les gens vont, parce qu'ils avaient misé sur quelque chose, non seulement la banque, j'ai reçu l'information et que j'ai parlé de la Banque mondiale. Quand j'ai parlé de la Banque mondiale, il y a un document qui est sorti juste après mon direct. Et puis beaucoup de gens ont commencé à douter un peu. Je suis revenu sur le champ. J'ai dit, moi, je ne peux jamais me tromper. Je me trompe, mais pas sur ça. J'ai cherché les documents, j'ai trouvé la preuve et eux, ils disent, bon, d'accord, moi, je mets la Banque mondiale au défi. Que la Banque mondiale porte plainte pour diffamation si elle veut. La Banque mondiale a parlé encore. Ils sont sortis encore. C'est après que j'ai vu les gens commencer à sortir. Moi, j'ai dit non. Ayons le courage de nos opinions.
Quand on a la source et qu'on est convaincu que ce qu'on dit est vrai, là, ayons le courage d'aller jusqu'au bout. Parce que la Banque mondiale avait commencé, enfin, ce communiqué lamentable avait commencé à créer le doute. Moi, je suis revenu, j'ai dit, je maintiens ce que je dis. Je devais faire d'abord des postes. J'ai dit, je maintiens ce que j'ai dit. Après, je suis venu, j'ai fait une vidéo avec encore de nouvelles preuves. Le lendemain, j'ai dit encore, quelques heures après, l'Union européenne a fait sortir un document sur la Banque mondiale. Le débat a été clos. On ne parle pas parce qu'il faut parler. Hein. Quand on parle, c'est qu'on a la main sur quelque chose. C'est ce que je vous dis toujours. Je souhaite avoir raison, mais malheureusement, avec ceux-là, j'ai toujours raison. J'ai dit malheureusement parce que ce que je dis souvent, c'est pas bon. Je souhaite à moins avoir tort. Parce que quand tu prends l'argent pour tout le monde et puis toi tu bouffes là. Moi je souhaite que j'ai tort. Puis dis non, l'argent que tu as, toi tu crois qu'on bouffe, on bouffe pas en donnant à la population. C'est ce que je veux. Alors voilà un président qui va prendre l'argent au nom des Ivoiriens et personne ne sait où se trouve cette somme d'argent. Pour une cause. Ça c'est eux. Les Ivoiriens vont payer ça. Les 30 milliards là, on va, c'est pas, c'est 100, en fait c'est 110 milliards au total. Mais on est au courant seulement que de 50, mais en réalité, c'est 110 milliards, autant pour moi, 110 millions de dollars qui ont été décaissés. Ce n'est pas 110 milliards, pardon. Il y a eu un premier décaissement et puis il y a eu un deuxième décaissement de 60 millions de dollars. Donc au total, c'est 110 millions de dollars. Je vous avais dit ça avant même que je ne voie le programme de la Banque mondiale ou de l'Union européenne. Je vous avais dit que la Côte d'Ivoire et la Guinée avaient été pris comme pays pilotes. Avaient été pris comme pays pilotes. Et si ça marche ici, ils vont étendre au reste de l'Afrique de l'Ouest. Moi, je l'avais dit, je vous jure au nom de Dieu, je n'avais pas encore vu le document. Mais comme je sais comment ça fonctionne, donc automatiquement, ma déduction est dit. C'est ce que le document de la Banque mondiale a confirmé avec l'Union européenne. Alors ça, c'est un. Quand tu dis tu ne veux plus être président, la Ouattara, mais les 30 milliards, là, tu ne nous as pas dit où ça y est. Mais au moins, avant de partir, il faut nous dire où se trouvent les 30 milliards ou bien. Tu dis aux Ivoiriens, parce que regardez bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Les gens s'amusent à un jeu dangereux. Tu prends l'argent au nom des Ivoiriens. Personne ne sait où se trouve cet argent, mais toi tu dis tu veux plus être candidat. D'accord, dans tous les cas, c'est un non-événement. Je l'ai dit. La Constitution ne permet. Si Ouattara voulait s'entêter, il allait embraser ce pays-là. Ça, c'était clair. Il y a des gens qui étaient disposés pour ça, malgré les multitudes d'unités spéciales qu'il a formées. On s'en fout de ça. La réalité, Ouattara ne pouvait pas être candidat. Alors, quand je vois ce petit minable présent par défaut, Emmanuel Macron, ou bien Emmanuel Micron, là, ou bien Emmanuel Microbe, mais ce gars-là, il est fou. Dans son pays, là, lui, Emmanuel Microbe, là, il peut faire ça. Quand quelqu'un respecte la Constitution, là, un autre président doit l'appeler pour dire merci. Ça dit que c'est une étiquette que les gens nous collent et on ne voit même pas le mal que cela nous fait, quoi. Ça veut dire que nous, États africains, là, on est vus comme étant des parias, des gens qui n'ont aucun respect pour la Constitution. Donc, quand quelqu'un, on oblige quelqu'un à marcher dans la droite ligne, il faut friser la personne. Emmanuel Macron, je ne vais pas te répondre parce que sous le Paris a pris son temps pour bien te cadrer hier. Donc, moi, je n'ai plus rien à dire à ce sujet. Alors, je reviens pour dire tout simplement. Les 30 milliards, on ne nous a pas dit où sont passés les 30 milliards, parce que la dernière fois, j'ai bien expliqué, et après moi, le professeur, comment on appelle, Yamsi, le conseiller spécial de Sorogium, est venu lui aussi, il a bien expliqué. J'avais dit que les Ivoiriens vont payer trois fois. La première fois, ils vont payer le crédit des 30, des 110 millions de dollars qui ont été pris au nom de la Côte d'Ivoire, ils vont payer ça. Deuxièmement, les 460 milliards qui ont été donnés à l'ONU, c'est un prêt, ils vont payer. Et puis troisièmement, ils vont payer directement leur carte nationale d'identité. Les Ivoiriens vont payer. Non, ça dit que quand on parle, on trouve qu'on est mauvais. Est-ce que ce que j'ai dit là, ouais, c'est qu'il y a faux dedans? 30 milliards, la Banque mondiale n'a pas donné.
30 milliards, est-ce que la Banque mondiale n'a pas donné? Qui peut dire aujourd'hui où se trouve cette somme d'argent? Personne. Depuis qu'on a déclaré là, ils sont restés bouche bée. Personne n'a parlé. Joël Guessant, avec ses pieds tordus, sa tête tordue, qui sort toujours pour insulter Bédier là. Sa grande gueule, on ne l'a pas vu aujourd'hui. Adama Bitogo qui insulte les gens quand ils sortent là. Sa grande gueule, on ne l'a pas vu aujourd'hui. Celui qui connaît avec son ventre, on dirait des choses là. Il n'a pas parlé aujourd'hui. Hein? Touré Mamadou qui a la grande gueule, qui dit qu'il sait parler plus parce que tout RHDP là. On ne les a pas vus. Hein? Personne. 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 Parce qu'ils savent qu'ils ont pris l'argent là, ils ont bouffé. Ils sont allés prendre encore l'argent, 460 milliards, au nom de la Côte d'Ivoire pour organiser l'opération là. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est eux-mêmes. Puisque après le conseil des ministres, je ne sais plus de quand là, le porte-parole, Sidy Touré, il dit que la Côte d'Ivoire a mis à la disposition de l'ONU, l'Office national d'identification, 460 milliards. Et la compagnie belge qui a été retenue, n'est-ce pas, en 2 ans, va produire 12 millions de cartes nationales d'identité. En 2 ans. Ça, ce n'est pas moi. Allez fouiller sur la page de la présidence de la République. Vous allez retrouver le vidéo, la vidéo de Sidy Touré où il affirme que 460 milliards ont été dégagés pour une compagnie belge. Alors, la question que je me pose, pourquoi le gouvernement paye une compagnie pour nous faire des cartes nationales d'identité et puis après, nous, on doit payer encore? Vraiment, j'ai du mal à comprendre quoi. J'ai du mal à comprendre. Hé! Hé! J'arrive. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà un peu. On dit ça, on nous menace, on nous insulte, on veut nous intimider. Moi, je ne vous ai pas dit de voler. Je ne vous ai pas dit de détourner. Je ne vous ai pas dit de prendre un massue pour assommer les Ivoiriens financièrement. C'est une chose que nous respectons. Alors, voilà la réalité, la triste réalité. Comme je l'ai dit. Donc, la question de la carte nationale d'identité, elle n'est pas résolue. Puisque les Ivoiriens doivent payer 3 fois. Ils doivent payer pour les 110 millions de dollars de la Banque mondiale qui est un prêt. Les Ivoiriens doivent payer pour ça. Les Ivoiriens doivent payer encore les 460 milliards qui ont été débloqués et remis à la compagnie belge qui s'est engagée à confectionner les cartes nationales d'identité à hauteur de, je crois, de 12 millions de cartes en 2 ans. Après, arrêtons-nous là un peu. Nous sommes après 7 ou 6 mois des élections présidentielles. On demande à la compagnie belge de produire 11 millions de cartes nationales d'identité, pas en 2 mois, s'il vous plaît, mais en 6 mois, sinon en 7 mois. On demande à cette compagnie de produire des cartes nationales d'identité pour des Ivoiriens en si peu de temps. Et en même temps, que de la population, 118 centres d'enrôlement. Pour une population qui avoisine les 11 à 12 millions. Et on veut le faire en 7 mois. Sinon en 6 mois. On ne doit pas parler. Hein? Si on parle, on aura problème. Ouattara dit, on fait, nous on subit. Vous n'avez pas droit à la parole. Est-ce que ça c'est normal? 460 milliards, les Ivoiriens payer ça. Mais je vous dis, la compagnie belge ne recevra pas dans son compte officiel, n'aura pas plus de 100 milliards de nos francs. Parce que l'argent là, je retiens, ça va aller dans les différents comptes offshore. C'est une manne. C'est la vache au lait, la Côte d'Ivoire.
Mais même avec ça, si au moins on avait eu pitié des Ivoiriens pour leur donner leur carte nationale d'identité, c'est-à-dire que même si tu voles et puis tu as pitié un peu, c'est bon. Mais tu voles et puis tu n'as pas pitié. Tu voles et puis tu détruis. Tu voles et puis tu empiètes. Tu voles et puis tu veux museler. Tu voles et puis tu veux détruire. Mais Dieu lui-même, il va te détruire à la fin. Dieu lui-même, là, il va te frapper de malédiction. Quand tu voles, là, au moins, dis-toi que Dieu te voit. Non, on ne te voit pas, hein. Tu es en train de voler, non, mais Dieu te voit. Le même Dieu qui te voit, là, il faut avoir peur de lui pour dire, ah, je vole, c'est vrai, mais attends, j'avais pitié au moins des gens. Voler, ton gouvernement et toi. La seule chose que vous pouvez faire, c'était donner la carte d'identité aux Ivoiriens. Il y a l'argent, Ouattara. Ce n'est pas l'argent qui manque. Mais alors, je vais vous expliquer pourquoi, cela va me permettre d'entrer dans le deuxième volet, pourquoi on veut que les Ivoiriens payent. Parce qu'ils avaient fait leur calcul, bouclé, géré. Ils ont fait tout pour rendre la situation économique très difficile en Côte d'Ivoire. Ils ont créé une situation de crise économique, ce qu'on appelle conjoncture. Et en même temps, cette situation coïncide avec la réflexion, sinon le renouvellement de la carte nationale d'identité, l'enrôlement et tout ça et autres. Alors, si je prends moi, ma famille, c'est l'exemple que je prends, nous sommes 5-6 personnes dedans. Alors, si chaque personne doit aller dans telle ou telle région, tu comprends que si je suis le chef de famille, je paye pour chacun. Et puis en même temps, leur carte d'identité, ça fait 30 000, c'est pas ça? Et puis les différents déplacements, tout ça et autres. Donc finalement, il faut que je prévoie au minimum 100 000 francs. 100 000 francs pour que j'aie la carte nationale d'identité. Voici surtout que je suis un chômeur. Donc je dois aller prendre carte d'identité pour avoir mes pièces. Et ce n'est pas évident aussi qu'on me donne crédit. Donc ils ont fait tout ce petit calcul-là. En même temps, ils ont dit, mettons seulement 118 centres d'enrôlement. Les gens ne vont pas sortir. Ils vont attendre. On va les allumer. On va attendre au moment où on va donner carte nationale d'identité à nos gens-là. Quand on sera certain que tout le monde a sa carte, en ce moment-là, net. On va dire bon, que les autres n'ont pas venu. Donc, on va libérer. En ce moment-là, il n'y aura plus rien pour eux. Mais ce qui est malheureux, nous, on a compris leur jeu. On a dit aux gens, allez vous enrôler quand même. C'est difficile, hein? Mais allez-y. Et contre toute attente, les différents centres sont bourrés. Les gens sont là-bas. Mais il n'y a pas de matériel, puisque le matériel est tué. Le matériel est défaillant. Le matériel n'est pas bon. Les ordinateurs se plantent. Ça, c'est encore. Comment vous pouvez comprendre? On remet 460 milliards à une entreprise qui amène des ordinateurs défaillants en Côte d'Ivoire. Soyons sérieux. Ce n'est pas que les gens disent sur les réseaux sociaux. Non. J'ai mené ma petite enquête. J'ai reçu des vidéos d'Abidjan. Des gens ont filmé et j'ai reçu les vidéos. Sur place, séance tenante. J'étais dépassé, j'étais abasourdi. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Ce n'est pas tout. Pendant qu'ils sont là, pendant qu'on dit que les appareils sont défaillants, il y a des listes fictives. On ne sait pas d'où viennent ces listes. On ne sait pas qui produit ces listes. On ne sait pas qui sont. Mais les gens reçoivent des listes. Pendant que des gens sont là, ils se sont levés depuis 5 h du matin, 4 h du matin. Il y en a même qui étaient là-bas depuis la veille, 19 h. On les laisse. On dit, il y a une liste qui est arrivée. Liste là, ça vient d'où? On empêche ceux qui sont sur le terrain et on dit, il y a une liste qui vient d'arriver. Et Côte d'Ivoire, il y a quoi? Ça, là, on dit, on ne doit pas dire. Quand on dit, on nous insulte, on nous menace. Est-ce qu'on peut voir ça et puis se taire? Est-ce que quelqu'un qui fait ça, c'est un être humain? Quelqu'un qui fait ça, est-ce qu'il a la crainte et l'amour de Dieu? Quelqu'un qui fait ça, est-ce qu'il a une fois vu ou foué dans sa vie? Même si la vie ou foué, est-ce qu'il croit qu'il suit réellement ou foué? Non. Donc, un, ils font payer les Ivoiriens leur carte nationale d'identité. Ensuite, les Ivoiriens vont rembourser ceux qui ont été pris à cet effet. Deux,
On amène des appareils défaillants. 3. La discrimination et l'injustice se jouent dans les lieux d'enrôlement. 4. Insuffisance de centres d'enrôlement. 5. C'est bouclé, c'est calé, c'est géré. Voilà le sens. On veut quoi encore? Mais pourquoi c'est bouclé, carré, géré? Je reviens à ma première source. Gon Coulibaly, il n'a aucune cote de popularité. Gon Coulibaly n'est pas aimé. Même au sein du RHDP, Gon n'est pas aimé. Il n'est pas charismatique. Je dirais de nouveau là. Donc, Gon, à travers son épouse, Fatim Bamba, qui est une grande sœur à nous, du quartier à Niamey, elle a essayé de motiver certains jeunes à partir d'Aniama qui ont commencé à implanter des structures à l'intérieur du pays pour soutenir la politique de son mari. Pour, enfin, dans le cadre d'une éventualité où il serait candidat de RHDP, déjà, il y a une structure en place pour l'aider pour mener sa campagne. Donc, ces structures-là ont été mises là. Mais quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, Gon Coulibaly ne fait pas l'unanimité au sein du RHDP. Gon Coulibaly n'a même pas 5%. 5% de vote au sein du RHDP. Même pas 5%. Alors, Ouattara est face à un dilemme. Doit-il continuer à miser sur Gon Coulibaly ou bien doit-il prendre Ahmed Bakayoko? Qui, je vous le dis, je vous le répète, est très dangereux. Ahmed est vicieux, très dangereux et très, très ambitieux. Très ambitieux. C'est pourquoi Ouattara hésite sur Ahmed. Sinon, il y a longtemps, il aurait misé sur Ahmed. Ahmed est très ambitieux, très malin et très dangereux. Parce que Ahmed a commis quelques erreurs qui sont encore dans la tête de Ouattara. Et Ouattara n'est pas prêt à oublier ça. Je vous dis, c'est un gars qui est rancunier. Donc, Ouattara, qui, sur qui va miser? Donc Ouattara, pour ne pas perdre la main, qu'est-ce qu'il décide? Il dit, d'accord, voilà ce qu'on va faire. On va d'abord dissocier, je vais mener un projet. Alors, vous voyez, c'est ça qu'on appelle tailler une constitution à la mesure de l'homme. Tailler une constitution à la mesure d'un parti politique. Parce que Ouattara a reconnu sa faiblesse. Ouattara sait qu'il n'a aucun poids politique. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de commencer à mélanger la constitution. On dit désormais, le candidat, il doit être seul. Enfin, pour, comment on appelle ça? Pour la présidente de la République, normalement, c'est le président et le vice-président, c'est une équipe de deux personnes qui mènent campagne. Il y a la tête de liste, c'est cette personne-là qui sera le président de la République. Et le deuxième sera le vice-président. Donc normalement, le peuple donne quitus à ces deux personnes-là. Le peuple accorde son suffrage et sa souveraineté à ces deux-là. Ouattara dit, moi, je ne veux plus ça. Au lieu que ce soit les deux qui mènent campagne ensemble, une seule personne va mener campagne, comme on le faisait avant. Si cette personne gagne, elle-même, elle va nommer son premier ministre et son vice-président. Et le vice-président sera confirmé par l'Assemblée nationale, par le Congrès. Vous voyez un peu comment l'homme est mauvais. Quel est l'objectif? Est-ce que lui-même là, il est prêt à partir? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que lui-même là, il veut partir? Parce que j'ai vu des confrères qui ont développé le système Poutine. J'ai vu des frères qui ont développé ça hier, le système Poutine. Et je commence à me poser la question si ce n'est pas ce que Ouattara veut faire. C'est-à-dire que lui n'est pas sur la liste. Le président qui gagne, c'est-à-dire lui va mener la campagne comme étant président sortant, comme étant simple membre du RHDP. Il mène sa campagne et la personne gagne. Maintenant, soit c'est lui Ouattara
qui devient vice-président, ou c'est son petit frère Tiené Brahima qui devient vice-président, ou c'est sa femme Dominique Ouattara qui devient vice-présidente. C'est-à-dire que le pouvoir ne doit pas échapper à Ouattara et le vice-président sera en réalité le véritable président de la Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu la menace, le danger qui guette la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous voyez un peu ce à quoi? Alors, quand les gens ont sauté pour applaudir, bagaga, il dit, hey! Politique là, je n'ai jamais vu politique, on a donné cadeau. On ne donne pas cadeau. Politique là, si tu as donné un là, c'est que tu as fait tes calculs pour récupérer 20 quelque part. Si tu as donné 10 là, c'est que tu as fait tes calculs pour récupérer 1 milliard quelque part. Ouattara ne va jamais donner cela cadeau. Ouattara a déjà fait son plan. C'est pourquoi ce plan-là, à part Dominique, à part Ibrahima, à part Gon lui-même, et il a demandé à Gon de jurer sur Coran, à part les trois, même Ahmed n'était pas au courant. Il n'a mis personne au courant. C'est pourquoi les gens étaient surpris hier. Parce que Ouattara sait maintenant que autour de lui, quand il parle un peu, quand il y a trop de personnes, ça, il y a fuite. Sinon, on a parlé de tout, mais on n'a jamais su que Ouattara allait rendre sa démission. Gazo, il faut aller, j'arrive. Non, va, j'arrive. Va regarder la télé, je viens. Alors, vous voyez un peu, personne n'a jamais su. Est-ce que vous voyez? Personne n'a jamais su parce qu'il avait caché ça à tout le monde. Dominique savait. Et son photocopie savait. Gon, certainement, je doute un peu, mais Gon. Donc, tout le monde était dans l'ignorance totale. Oui, ils avaient une idée de la modification constitutionnelle, puisqu'ils en ont parlé au Conseil des ministres. Mais sa décision de ne pas se présenter et le plan qu'il est en train de mettre en place, personne, et même jusqu'à présent, il y a des suspicions. Qui sera candidat, qui ne sera pas candidat. Il est en train de réfléchir parce qu'aujourd'hui, Ouattara sait que Gon ne fait pas l'unanimité, même dans son propre camp. Il sait que Gon ne fait pas l'unanimité. Mais est-ce qu'il va continuer avec Gon? Je ne sais pas. S'il laisse tomber Gon, est-ce que ce ne sera pas une trahison? Est-ce qu'il va laisser le grand frère Gon pour aller prendre le petit frère Ahmed? Ou bien est-ce qu'il va aller prendre une autre personne? Ou bien est-ce qu'il va proposer sa propre femme? Parce que ce monsieur-là, il est capable de tout, hein. Il peut proposer sa propre femme. Si il propose Dominique demain, là, qui va dire non? Si Ouattara propose Dominique demain, là, qui va dire non? Dans son camp là-bas, là, qui va dire non? Tu dis non, là, demain matin, là, tu te retrouves en prison. Ils vont sortir la liste de tes infractions, là. Automatiquement, tout de suite, ils peuvent te mettre au trou, au noir. Alors, non, ce que je dis, Ouattara. Si je vous dis pourquoi il change le mode de scrutin, hein, pourquoi le mode de vote du vice-président, parce qu'il veut être lui-même celui qui va choisir le vice-président. Parce qu'il ne veut pas que le vice-président soit quelqu'un qui va faire l'ombre au candidat du RHDP. Si ce n'est pas parce que lui-même il veut être vice-président, pourquoi il veut ce changement constitutionnel? Si ce n'est pas pour que sa femme soit vice-présidente là, pourquoi il fait ce changement constitutionnel? Collier Amani, ça va? Si ce n'est pas pour que, parce que il y a une chose certaine, ce changement-là dit une chose. Comme il y a des moutons RHDP qui refusent de comprendre, soit c'est Ouattara qui sera le vice-président. Soit c'est son jeune frère Brema qui sera le vice-président, soit c'est sa femme qui sera le vice-président. Parce que si c'est Ahmed Bagayoko, il n'y a pas de raison de changer. Donc, ce n'est ni Ahmed Bagayoko, ni Kabla Duncan, encore moins. Salut, tout ça là, les gens, c'est maintenant qu'ils vont voir le vrai visage de Ouattara. Pourquoi changer la constitution, précisément le monde d'élection du vice-président? Parce qu'il sait que l'image du vice-président va porter atteinte à la campagne du candidat du RHDP. Il sait, c'est pourquoi il veut changer.
Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Je dis en politique, on ne donne rien pour rien. Si tu donnes ici, là, c'est que tu récupères quelque part. Ouattara n'a pas abandonné parce qu'il veut abandonner. Ouattara s'est retiré parce qu'il sait qu'il peut récupérer quelque part. Il perd aujourd'hui une bataille pour gagner la guerre demain. C'est ça son plan diabolique, satanique et machiavélique. C'est ça. Vous croyez que c'est pourquoi il a dit qu'il faut vice-président? Vous croyez que c'est pourquoi? C'est pourquoi je vous ai dit, faisons une lecture rationnelle des propos de Ouattara. Faisons une lecture rationnelle des propos de Ouattara. Les propos de Ouattara lancent un mauvais message. Ouattara, pour tout observateur politique de la scène africaine, voilà, il faut faire beaucoup attention. Je ne veux pas être candidat, les gens se mettent à danser. Mais pourquoi il ne veut pas être candidat? Je vous donne aujourd'hui un secret. Un politicien ne va jamais vous donner 1000 francs cadeau. S'il vous donne 1000 francs, il va vous demander de faire un travail d'un million. Politicien ne donne jamais cadeau. J'ai fait la politique, je suis dans la politique. Politicien, là, il est plus avare que le mot avare. Politicien, son argent, tu ne prends pas cadeau. Voilà, ici, t'as donné aujourd'hui, là. Demain, là, ce qu'il va te demander, tu peux dire non? Tu peux dire non? L'argent des politiciens, on ne prend pas cadeau. Tu prends, tu vas vomir d'une manière ou d'une autre. On ne prend pas cadeau. Si Ouattara veut dire, je ne suis pas candidat, là, vous dansez, là. Vous savez ce qu'il y a derrière? Ce qu'il n'a pas dit. C'est ça qui nous intéresse, nous, en tant qu'opposition. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Parce que nous savons que c'est un menteur. Nous savons qu'il n'y a pas de sérieux dans ce qu'il dit. Nous savons qu'il se contredit. Nous savons qu'il n'y a pas de vrai dans ce qu'il dit. Donc maintenant, ce qu'il n'a pas dit là, c'est ça qui est la vérité. C'est ça que nous, on doit chercher. Ce que lui n'a pas dit là, c'est ça qui est la vérité. Et c'est ça que nous, on doit chercher. Et c'est là que je vous mets sur des pistes. C'est pourquoi je vous dis. Pourquoi toucher? Ça sera interpellé tout le monde. Alors, je ne suis pas candidat, je suis d'accord. Ah là, c'est bien Ouattara. S'il n'avait pas touché à la Constitution, pour moi, je n'avais aucun. Il dit non, moi, j'allais le féliciter. Honnêtement, s'il n'avait pas touché à la Constitution, je vous jure que moi, j'allais le féliciter. Mais le fait de vouloir toucher à la Constitution, pour moi, c'est dire déjà, il y a problème. Je vous ai toujours dit en politique, on donne, on prend. On donne. On prend. On donne, on prend. Il a donné. Il dit, je ne serai plus candidat. Maintenant, où il va récupérer là? Il dit, mais acceptez, je vais prendre ça là. Pour moi-même. Vice-présidence là, je vais changer le mode d'élection. Ce ne sera plus élection au suffrage direct, le vice-président, mais désigné par le candidat qui aura gagné. Parce que la personne qui doit accompagner le candidat du RHDP là, c'est une personne que les Ivoiriens n'aiment pas. C'est une mauvaise image pour le RHDP. Donc il faut cacher cette personne-là. Maintenant, quand ça finit là, comme il a des moutons à l'Assemblée et au Sénat, des moutons qui broutent là où ils sont attachés, quand ils vont le présenter, si on présente Ouattara lui-même là, comme étant vice-président, dites-moi qui au Sénat ou à l'Assemblée nationale va dire je ne vote pas. Si on présente sa femme ou son petit frère Brahima. Parce que si Ouattara n'est pas là-bas, il va exiger que son petit frère ait des yeux sur ses affaires. Parce que la Côte d'Ivoire là est devenue un véritable business pour Ouattara. Il ne peut pas laisser ça comme ça. S'il ne laisse pas poste de vice-président, soit c'est son petit frère, soit c'est lui-même, soit c'est sa femme. Moi, je vous donne ces trois noms-là. Mais, quelque chose me réjouit. Vous savez quoi? Ils ne vont pas gagner. Ils ne vont pas gagner. Ça, c'est le calcul qu'ils ont fait. C'est le calcul qu'ils ont fait. Eux font leur calcul. Dieu fait son calcul. Nous, on fait notre calcul. Mais quoi qu'il en soit, c'est le calcul de Dieu qui est toujours important. Maintenant, tout le monde est assis. On dit, on attend Bédier, on attend Gbagbo pour qu'il se prononce. Comme je l'ai dit la dernière fois à des gens, malheureusement, au FPI, des gens essaient de mal interpréter ce que j'ai dit. J'ai dit que Gbagbo a plus urgent à gérer en ce moment. Au moins au porteur, Gbagbo prendra toute sa place et sa responsabilité dans le processus politique. J'ai dit pour le moment, il veut gérer ça à tête reposée, donc on peut quand même lui accorder ça. Il a passé toute sa vie dans la clandestinité,
Et quand il a eu la gestion du pouvoir, il a été attaqué. Et après ça, on l'amène dans une institution étrangère pour le juger pour des crimes qu'il n'a pas commis. Donc vous comprenez que ça fait trop psychologiquement pour un seul homme. Donc laissez le monsieur gérer ça paisiblement avec nos prières qu'il revienne. Et quand il va revenir, Gbagbo peut servir à tous les niveaux. Gbagbo n'a pas besoin d'être président. Ce sera son choix. Il veut être président. Il se présente. Il ne veut pas être monsieur président. Ça, parce que Ouattara dit qu'il n'est pas candidat, que Gbagbo doit dire je ne veux pas être candidat, ou même Bédié doit dire non, non, non. C'est un choix. C'est un choix. Aujourd'hui, il y a des jeunes capables et valables au sein du Front Populaire Ivoirien qui peuvent défendre valablement les idéaux de ce parti-là. Il y a des jeunes qui sont capables de faire ça. Idem au PDCRDA. Il y a des gens capables, il y a des gens valables qui peuvent aujourd'hui mener cette politique-là. Et je l'ai même dit une fois, j'ai dit Bédié est déjà trop fatigué, beaucoup trop fatigué d'ailleurs. Vous voyez, quand Bédié arrive par exemple à Abidjan, il ne sort pas trop. Même les longs voyages, là, Bédié ne fait plus. Quand il est à Daokro, il met du temps à Daokro avant de venir sur Abidjan. Les longs déplacements, il n'aime pas parce que son âge ne lui permet plus. Alors vous croyez que c'est un monsieur comme ça qui va aller se mettre encore dans la politique? Et puis il a dépassé. Bédié est en train de réfléchir. Moi, en tout cas, c'est ma conception. Je peux me tromper, mais je crois qu'il est en train de réfléchir sérieusement à la possibilité de faire un choix qui fera l'unanimité. L'unanimité au sein du PDCRDA. Moi, c'est à ça que je crois. Ça s'arrête là. Maintenant, Gbagbo lui-même, je suis sûr d'une chose. Gbagbo peut toujours servir ce pays-là. S'il a l'envie, qu'il veut se présenter, qu'il se présente. Maintenant, s'il veut appuyer des jeunes gens, il appuie ces jeunes gens. Mais la dernière partie de mon truc là, de ma vidéo, au cas où c'est pas Gon et que c'est Ahmed, deuxième hypothèse, au cas où c'est Ahmed, c'est là où ça devient intéressant. Tu as bloqué enfin des gens en dehors de la Côte d'Ivoire. Tu dis que Soro a tenté un coup d'État contre la Côte d'Ivoire. Alors que, jusqu'à preuve du contraire, rien de façon irréfutable n'a été présenté comme étant une œuvre, enfin, comme étant une preuve irréfutable de l'implication de Soro dans une tentative de déstabilisation de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, vous avez monté de toutes pièces un scénario pour dire que Soro est impliqué ou sinon serait impliqué dans une procédure de coup d'État. À part une bande sonore malpropre, d'ailleurs, qui a été truquée, qui a été coupée parce que la bande est plus longue que ça. La bande originale étant existante. Alors, la seule question qui me chiffonne un peu, c'est pourquoi quelqu'un qui a tenté de faire un coup d'État contre Ouattara, et c'est Ouattara toujours qui envoie des gens en catimini pour demander à Soro de renoncer à la présidence. Donc, à travers le simple fait de demander à Soro de renoncer à la présidence, et dès qu'il produirait un communiqué selon la volonté de Ouattara, tous ses amis arrêtés seront libérés. Quand un président pareil fait du chantage et puis après vient dire aux Ivoiriens que je ne serai pas candidat, vous croyez à la sincérité d'un tel monsieur? Vous croyez à l'honnêteté d'un tel président? Il dit Soro veut faire coup d'État. Mais entre-temps, il envoie son petit frère prend contact avec les amis proches de Soro à Paris et ils font la proposition de Ouattara pour dire qu'il n'est plus candidat. Dès qu'il le fera, comme on a vu avec un autre vendu là, on va libérer tout de suite ses compagnons. Il dit, je ne le ferai pas. Alors, comment un président qui dit que son bilan est inattaquable va voir le sommet de la chefferie Baoulé à Caen pour leur demander à Bédié de rejoindre le RHDP. Pourquoi il fait ça? Vous croyez que je mens?
Gikawe n'a pas dit ça la dernière fois. Gikawe n'a pas dit ça la dernière fois. Que lui ne comprend pas. Vous dites que vous êtes fort, mais c'est vous qui allez voir la chefferie pour parler à Bédier. Bédier a donné ses conditions. Il dit pour que je parle seulement à Ouattara, il n'a qu'à libérer tous les prisonniers politiques d'abord. Pour que je puisse lui parler. Soro a dit pour que je puisse vous écouter là, libérez d'abord tous les prisonniers politiques et puis on va en parler. Voilà le blocage. Soro et Bédier sont sur la même longueur d'onde, sont sur la même page, disent la même chose. Mais pendant que tu dis que quelqu'un essaie de renverser ton pouvoir par un coup d'état militaire, tu envoies ton petit frère demander à cette personne de ne pas se présenter. Donc en réalité, il n'est coupable de rien. Il est accusé à tort et à travers parce que tout simplement il veut être candidat au présidentiel. Ah, je vous ai dit que la vengeance de Dieu sera amère et terrible. Quand Dieu va commencer à frapper le RHDP, je vous jure, je ne souhaite pas être à leur position. Je ne souhaite pas être à leur place. Parce que cela va arriver d'une manière ou d'une autre. Cela va arriver. Ouattara ne pourra pas se jouer de la Côte d'Ivoire éternellement et croire que il n'y aura pas de compte à rendre au peuple de Côte d'Ivoire. C'est faux. Ça n'est jamais arrivé, ça n'est jamais arrivé. Alors, donc, si Ahmed est candidat, si il mise sur Ahmed, il sera obligé, obligé de laisser Soro Guillaume entrer. Parce que s'il ne le fait pas, la jeunesse elle-même la prendra sa responsabilité pour imposer l'arrivée de Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. Et s'il y a un dérapage qui répond à la violence, sa place est toujours réservée à la CPI. Ça, au moins, il peut être certain de ça. Donc, si Ouattara est en train d'hésiter de prendre Ahmed Bagayoko, c'est parce qu'il a créé déjà un antécédent. Il a créé déjà un précédent. Il a créé déjà une situation difficile. Il ne peut pas dire que lui va prendre Ahmed comme son candidat et puis empêcher Soro Guillaume, qui est pratiquement de la même génération qu'Ahmed. Donc automatiquement, le monde entier verra la supercherie de ce qu'il fait. Avec Gon, ça peut se masquer un peu, mais Ahmed, ce sera trop visible et difficilement acceptable par le monde. Ils ont crié trop tôt que c'est calé, géré. Mais il y a des petits détails techniques que Dieu garde toujours pour lui-même. Tu ne peux pas toujours tout connaître. Tu ne peux pas connaître plus que nous. Nous ne disons pas que nous connaissons plus que tout le monde. Mais le peu que Dieu nous a donné, avec modestie, on essaie quand même de raisonner un peu avec. Si Ouattara s'amuse à prendre Ahmed Bagayoko, il va faire face à une violence à laquelle il ne s'attend pas de la part des jeunes. Parce que tu ne peux pas prendre un jeune de chez toi et empêcher un autre jeune d'une autre région d'être candidat. Tu ne peux pas. Voilà là où se trouve le dilemme d'Ahmed Bagayoko. Il est de la même génération que Soro. Ouattara peut-il sacrifier Soro au profit d'Ahmed Bagayoko? C'est compliqué. C'est difficile. Est-ce qu'il peut miser sur Gon Coulibaly qui n'a aucune popularité ni charisme? Qui, à coup sûr, même s'ils ont tripatrié comment, ils ont mélangé comment, même s'ils ont mélangé comment, Gon peut pas. Gon, je ne sais pas par quel miracle Gon va passer. En tout cas, Dieu a toujours opéré le miracle. Mais je ne crois pas que Dieu soit avec un homme comme ça. Parce que Gon, il est foncièrement et viscéralement mauvais. Gon est méchant. Il est méchant. Dieu ne peut même pas aider un gars comme ça. Alors, oui, laissez les moutons là et non qu'à s'exhiber. Nous, on s'en fout. C'est ce que je dis. Nous, là, quand ils viennent nous insulter, là, ça nous donne la force. C'est-à-dire, plus on nous insulte, plus on devient fort. Plus on nous insulte, plus on est déterminé, plus on nous insulte, plus on est engagé. Parce que c'est celui qui est important, celui-là qu'on a un peu le critique pour l'insulte,
Parce que tout ce que j'ai commencé à dire depuis on a commencé, je ne dis pas depuis mes vidéos, mais depuis l'heure à laquelle on a commencé aujourd'hui, là, est-ce que j'ai dit quelque chose de faux? Je pars sur des faits crédibles, des faits vérifiables, des faits vécus. Je n'ai rien inventé jusqu'ici. Tout le monde sait que Ahmed se préparait pour la présidence et Ouattara voulait miser sur Ahmed. C'est pourquoi Ouattara a mis Ahmed à Bobo face à Kone Tefou. Je vous ai déjà dit ça. Ahmed, vous croyez qu'Ahmed il a été maire à Bobo pourquoi? C'était le test de Ouattara pour tester la popularité d'Ahmed Bagayoko dans une zone à dominance Soro-Guyo. Je vous avais dit, si Ahmed passait le test, il y avait de fortes chances qu'il soit le candidat de RHDP. Mais Gon a compris très tôt. Gon a commencé à couper l'herbe sous les pieds d'Ahmed. Et aujourd'hui, ils se sont tellement torpillés auprès de Ouattara que Gon semble la personne la plus indiquée aujourd'hui pour Ouattara. Déterminée, loyale, fidèle. Ahmed, on doute un peu. On trouve que Ahmed est trop, trop, trop lié à Soro. D'une manière ou d'une autre, Ahmed finira par s'entendre avec Soro. Alors que Gon, Soro est son ennemi juré par nature. Donc vous voyez un peu. Donc Ouattara, pour perdurer sa politique de haine, de vengeance, de méchanceté, de jalousie, Gon Coulibaly est la personne la mieux placée qu'Ahmed Bagayoko, qui a. Malgré tout ce qu'on dirait d'Ahmed, a un petit bon sens quand même de raisonnement. Il a une petite dose quand même de raisonnement qui fait qu'il est légèrement différent. Pas trop, hein, parce qu'il joue souvent les abrutis, là, non? Ouais, il a une petite dose quand même. Hein? Ahmed, je ne peux pas trop taper sur lui parce que personnellement, il m'a pas fait. C'est vrai qu'il exagère un peu, mais je trouve quand même qu'il a un peu de respect pour nous. Donc, je ne peux pas trop taper sur Ahmed, quoi. Mais c'est Bitogo, Adjumani, Kandial, et puis ce voyou de Touré Mamadou. Ça, c'est des gens que je cogne matin, midi, soir, sans réfléchir, et puis sans hésitation, quoi. Mais les Maïs, tu connais, c'est vrai qu'elle est tombée dans une erreur la dernière fois. Je l'ai dit, arrêtez ce que vous faites là. J'ai fait une vidéo en Djoulan où j'ai parlé à nos mamans d'Abobo. Elles n'ont qu'à arrêter. Ça dit qu'on ne peut pas être musulmane. On peut pas être de la religion du prophète Mohammed sallallahu et puis avoir de tels comportements. Ce n'est pas bon. C'est indigne. Ce n'est pas bon. Dans un conflit, c'est toujours deux camps qui s'opposent, sinon plus. Et il y a des morts dans tous les cas. Donc quand vous priez là, pensez aux autres. Parce que là où les autres sont enterrés là, c'est pas sous la terre, même si c'est à Dieukoué là. Vos gens qui sont morts à Bobo là, c'est pas sous la terre, même si c'est à Abidjan. C'est pas ça? C'est pas le même Dieu qui sera arrêté devant chacun de nous. Donc une fois que tu meurs là, vous devenez égaux. Le milliardaire là, quand il meurt là, devant Dieu là, il est l'égal du pauvre qui n'a jamais gagné 5 francs dans sa vie. C'est seul le travail que tu as fait ici là qui compte devant Dieu. Donc, quand on fait certaines choses, je crois que là aussi c'est une des erreurs vraiment maladroites du gouvernement Ouattara qui n'a jamais pris en compte. Et là, je ne dis pas seulement Ouattara, c'est Mabrouk Touakeuse qui est la déception, qui est l'humiliation même du Tonkui. Mabrouk Touakeuse, je ne sais pas ce qu'il fout dans le gouvernement Ouattara, mais il n'a rien fait pour ses parents. Voilà des gens qui rentrent dans la politique à cause de leur ventre, à cause de leur personnalité, à cause de leur compte bancaire, mais qui s'en fichent du peuple. Mabrouk Touakeuse a oublié que dans le Tonkui, il y a des femmes qui ont été violées jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui ont besoin de soins jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui ne sont pas logés jusqu'à aujourd'hui. Mabrouk Touakeuse a oublié qu'il y a des gens, il y a des jeunes filles qui ont été marquées à vie, qui avaient besoin d'attention, qui avaient besoin de soutien. Mais lui, tant que son ventre creux, c'est pourquoi il dit, ils sont musulmans, ils vont à la Mecque, là, moi je l'ai regardé tout.
Je ne sais pas quel mec, je ne sais pas quel âge ils vont faire là-bas. Il dit, mais il dit tout, quel âge ils vont faire là-bas. Ceux-là, ils ne méritent même pas de poser leur regard sur la Kaaba même. Parce que ça, ce ne sont pas des musulmans. Moi, je dis, musulmans, je demande à Dieu de me permettre d'aller faire le Hajj. Mais moi, là, avant d'aller faire le Hajj, je jure, je m'assois et puis je fais la liste de toutes les personnes que j'ai eu à offenser, de près ou de loin. Même si vous faites vidéo, je demande pardon à tout le monde individuellement. Demandez pardon à tout le monde. Maintenant, les gens ne sont pas obligés d'accepter mon pardon. Mais Dieu dit, toi, il faut demander. Ils ont accepté, ils n'ont pas accepté. Ça, c'est leur problème. Toi, tu demandes. Je demande pardon à tout le monde. Je m'assure que le cinquième prier, là, que je le fasse selon les recommandations de Dieu lui-même. Je ne le fais pas parce que j'ai les moyens. Ou bien quelqu'un me dit de le faire, ou bien quelqu'un finance pour moi. Non, il faut le faire selon les dispositions spirituelles. Et c'est là que Dieu agrée ton âge. Mais vous allez, avec l'argent du gouvernement, ça dit, vous allez avec une ardoise de péché long comme le bras, et vous dites, vous êtes allé faire âge. C'est quel âge vous êtes allé faire? Vous êtes allé en visite touristique, c'est pas Hajj, vous êtes allé faire. Et puis ils sont en train encore de se préparer, ils vont le faire le Hajj. Il dit, ah là, il y a des gens qui se moquent de Dieu. Il dit, ben d'accord. Comme Dieu lui-même, il sait comment mener son combat là. On va laisser lui-même mener son combat sans, on ne met pas notre bouche dedans. Alors, je reviens pour dire que si Ouattara veut prendre Bakayoko Ahmed, il n'a pas d'autre choix que de demander à son vassal, à son esclave, à ce petit soumis d'irresponsable, d'incompétent, que je n'appelle même pas procureur, ce petit voyou d'Adoricha, de lever. Parce que normalement, en Côte d'Ivoire, aucun juge, je dis bien à l'état actuel des choses, aucun juge ne peut un mandat d'arrêt contre Soro. Monsieur vient, il dit, je ne serai pas candidat. Avec qui il veut s'amuser? Soro, le seul juge qui peut émettre un mandat d'arrêt contre Soro, c'est un juge de la haute cour de justice. Et en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de haute cour de justice, quand bien même que ça est dans la Constitution, ça n'existe pas encore. Un juge véreux, qui n'a ni autorité ni pouvoir à prendre une décision, qui prend cette décision. C'est pourquoi, comment on appelle ça, la police Interpol a dit que on ne peut pas exécuter ça, c'est parce que c'est politiquement motivé. Parce que le droit n'a pas été respecté. C'est un ancien premier ministre, un ancien président d'institution. Selon la constitution de votre pays, de la haute cour de justice peut délivrer un mandat. Mais si tel n'est pas le cas, nous, on ne peut pas exécuter ce mandat-là parce qu'il est illégal. Donc, aux yeux de la loi, mais comme Ouattara, il n'a pas honte pour dire qu'on a eu tort, on va retirer le mandat parce que c'est un mandat qui est illégal. Non, 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 il laisse ça comme ça, comme un épée de Damoclès. Et quand je vois des journalistes de France 24, du RFI, des grands organes de presse relayer ça, je suis malade. Je suis malade. Je dis, mais attends, ces journalistes-là, ils ont fait leurs études là-haut, ils sont bêtes ou bien quoi? Un mandat délivré par un juge qui n'a pas le pouvoir, qui n'a pas l'autorité, qui n'a pas la compétence, on parle de ça, c'est comme c'était un mandat qui est valable. C'est un mandat illégal. C'est un mandat illégal. Soro aujourd'hui, moi je comprends, Soro n'a pas envie d'engager un bras de pouvoir. Ce n'est pas par faiblesse, mais c'est pour éviter de gaspiller encore d'autres besoins. Je vous jure, aujourd'hui il y a des jeunes qui sont prêts à mourir pour Soro. Ils rentrent, ils sont prêts à donner leur vie. Mais est-ce que c'est cela la politique aujourd'hui? Il dit faisons la politique autrement. Ce n'est pas à cause de moi, Soro, que des gens seront sacrifiés encore. Je ne le ferai pas. J'userai de tous les moyens
mais je n'avais pas fait usage de la force. Alors, quand les moutons du RHDP qui comprennent tout en envers, ils croient que c'est une forme de lâcheté, oui. Si être lâche permet de sauver des vies ivoiriennes, alors nous sommes lâches. Si être lâche permet d'épargner des Ivoiriens, oui, nous sommes lâches. Si être lâche préserve la Côte d'Ivoire d'une crise meurtrière et sanglante, oui, nous sommes des lâches. On préfère être lâche que de voir ce pays-là partir encore dans la guerre, dans la violence, de crise en crise. On préfère être lâche que de vous accompagner dans votre folie meurtrière. On ne le fera pas. On ne vous donnera pas satisfaction. Alors donc, Ouattara, il a quelque chose en tête. Pendant que tu gardes des gens en prison, sans raison valable, ils étaient en prison, qu'est-ce qu'on a dit? Pour tentative de déstabilisation. Maintenant, ils ont requalifié en disant quoi? Publication de fausses nouvelles. Diffusion de fausses nouvelles. Diffusion de fausses nouvelles quand nous sommes dans un pays où la liberté admise dans la Constitution et ces gens-là sont en prison. Diffuser de fausses nouvelles. On doit mettre des députés en prison pour avoir diffusé des fausses nouvelles. Alors, quand ce plaisantin-là, ce fanfaron-là, ce mécréant de président, il croit qu'il rend service à quelqu'un. Vous avez dansé, c'est bien. Mais le revers de la médaille, là, on n'a qu'à s'apprêter, hein? On n'a qu'à être vigilant et dire, sinon la pilule sera amère à avaler. Sera amère à avaler. Ouattara n'a pas encore dit son dernier mot. Voilà ma conclusion. Vous avez vu des gens comme Adjumani, comme Kanja? Non, 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 on ne veut pas, non, 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 on ne veut pas. Attendez et vous regardez. Vous allez voir que certains vont commencer à mettre en place des comités de soutien. Et 94, 95 avec le président Bédié. C'est pas ça? À l'époque, moi-même, j'étais initiateur d'un grand mouvement qu'on avait mis en place à Niamey, qu'on appelait Kossobè. Et c'est ce qui a fait rentrer d'ailleurs Amidou Sylla dans la politique. Alors, vous allez voir tout de suite, ceux qui vont avoir l'oreille dure, ceux qui vont accepter d'avoir le gant dans les yeux, c'est ceux-là qui vont commencer à mettre en place des mouvements de soutien à la candidature d'Alassane Dramane Ouattara, des motions de soutien. Vous allez voir tout de suite que les gens vont commencer à se mobiliser, soit pour deux choses, pas trois, il n'y aura pas trois. Soit ils vont se mobiliser pour soutenir, puisque il n'a pas encore officiellement désigné quelqu'un. Donc, si eux disent qu'ils veulent toujours de Ouattara, ils n'ont pas fait obstruction à quelqu'un. Gon les aura dans son viseur. Ils savent aussi que Gon, c'est quelqu'un qui, pour lui, là, ça ne reste pas à l'étranger. Donc, vous allez voir maintenant ce que j'avais prédit. Au niveau des cartes nationales d'identité. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on vit? Je vous ai dit, vous allez voir, le pouvoir va sortir tout de suite à la veille de la date. Le pouvoir va s'engager tout de suite à travers ces différentes agences-là à donner gratuitement les cartes nationales d'identité aux Ivoiriens. J'ai dit ça bien avant que l'opération ne soit lancée. Ce n'est pas ce qu'on vit aujourd'hui. Je vous avais averti. Ma première vidéo que j'ai faite sur cette histoire de carte nationale d'identité sur la gratuité, j'ai dit le pouvoir va faire. La vidéo est là. Allez-y, regardez, c'est dedans. J'ai dit. Je vous dis encore ça là, ça va arriver. Je ne suis pas Chris Yapi, mais j'ai dit pour moi. Je ne suis pas Chris Yapi, mais j'ai dit pour moi. Vous allez voir tout de suite. Un, les mouvements de soutien, les comités de soutien vont commencer à se mettre en place tout de suite avant la fin de ce mois pour demander à Ouattara de se présenter comme candidat. Deux,
C'est un choix, c'est une stratégie aussi de Ouattara. C'est pourquoi je dis en politique, on ne donne rien, fou, on ne donne pas cadeau. Ouattara le fait, mais après, en sous-main, il va pousser des gens de son parti de commencer, comme ce qu'ils ont fait pour Kadanté là. Les gens vont commencer à financer des mouvements de soutien. Vous allez voir tout de suite, des mouvements de soutien vont naître partout dans tout le pays pour soutenir Ouattara. C'est pas ce que Paul Kagame a fait. Voilà, merci Touré Mamadou. Je l'avais dit pour la Kadanté, c'est pas ce que Paul Kagame a fait. Les Rwandais sont sortis pour dire on veut que Kagame soit là. Et Ouattara, c'est ce qu'il demande. Ça, c'est un. Soit ils vont faire un mouvement de soutien pour dire au président, nous allons soutenir le candidat que Ouattara va présenter. Et c'est là que Gon va rentrer en jeu. Les gens de Gon vont commencer à activer leur réseau pour dire que nous soutenons Gon. Dans le Tonkin, ça a déjà commencé. Il y a un réseau de Gon qui a déjà dit que eux proposent la candidature de Gon Coulibaly. Voilà, c'est cette guerre interne-là qui va les détruire. Nous, on va s'asseoir, on va les regarder. Quand ils vont finir de se bouffer le nez, quand ils vont créer le maximum de frustrés, nous, on vient, on dit, excusez-moi, comme le petit Kirikou là, laissez-moi passer, on les pousse, on passe, on va, on met pour nous dans l'urne, on dit, bon, votre mandat est terminé, maintenant c'est nous, on est au pouvoir, bye bye. Ces deux scénarios-là, vous allez les voir. Soit les gens vont commencer à sortir de partout pour exiger que Ouattara soit candidat. Soit les cellules dormantes de Gon Coulibaly vont commencer à s'activer rapidement pour commencer à demander à Ouattara de choisir Gon Coulibaly comme étant le dauphin constitutionnel. Parce que Ahmed ne peut pas faire l'affaire de Ouattara. Ouattara sait très bien. Ahmed, ce sera juste la première, deuxième année. Quand Ahmed va prendre goût au pouvoir et quand il sera solidement implanté, Ahmed va commencer à agir selon sa propre volonté. Parce qu'il a cette petite indépendance-là en lui. Et Ahmed, les frustrations, il n'aime pas trop. Je ne l'ai pas fréquenté, mais le temps que j'ai pris pour observer l'homme et le peu d'idées que cela m'a donné, Ahmed et Ouattara sont ensemble, c'est vrai. Mais Ahmed est souvent, il est beaucoup frustré. Vous savez, il y a un moment où c'est Ahmed que Ouattara a amené le représenter dans les cérémonies officielles. Et ça énervait beaucoup Gon Coulibaly. Ça faisait beaucoup. Là où le ministre des Affaires étrangères doit partir, c'est Ahmed qui s'en va. Là où le vice-président doit partir, c'est Ahmed qui s'en va. Là où le premier ministre doit partir, c'est Ahmed qui s'en va. Donc, ils ont fait tout, ils ont mis un petit piège entre Ahmed et le président. Le président a pris un peu de recul avec Ahmed. C'est comme ça le RHDP fonctionne. C'est-à-dire, ces gens-là, on les connaît trop bien. Ils vont se bouffer le nez et puis nous on va passer à côté pour prendre notre présidence. Mais alors je termine ma vidéo en disant ceci, soyons sérieux, soyons vigilants, la lutte continue, rien n'est gagné. Ouattara, il dit je ne serai pas candidat, mais Ouattara sera au pouvoir en 2020 si on ne fait pas attention. Il ne sera pas au pouvoir en tant que président, mais il sera au pouvoir par personne interposée. Alors faisons beaucoup attention. Il est en train de mettre en place un parapluie politique pour demeurer au pouvoir jusqu'à sa mort. Aucune décision ne sera prise dans ce pays-là sans que les dirigeants ne se réfèrent à Ouattara. Voilà sa stratégie. S'il ne devient pas le premier ministre, sa femme deviendra premier ministre ou son petit frère deviendra premier ministre. C'est les raisons pour lesquelles il veut modifier le mode d'élection, je dis premier ministre, autant pour moi, du président de l'Assemblée, du vice-président. C'est pourquoi il veut modifier le mode d'élection du vice-président. Le vice-président ne sera plus élu
au suffrage universel direct comme le président de la République, mais le vice-président sera désormais choisi par le président élu. Et comme il a la certitude dans sa tête qu'il lui va gagner, selon leurs prévisions, selon leurs boucliers calés, gérés, si réellement c'est eux qui gagnent, soit lui il revient au pouvoir comme premier ministre et comme, pardon, vice-président, mais en sa qualité de vice-président, il sera réellement le président en charge du pays. Il y aura le président ne sera qu'honorifique, mais le vice-président sera celui qui va véritablement gérer la Côte d'Ivoire, lui, Alassane Dramane Ouattara. Ou, si ce n'est pas lui, Ouattara, qui se propose comme vice-président, il va proposer son petit frère comme vice-président, ou bien il va proposer sa femme comme vice-président. Parce que ce sont les deux personnes en qui Ouattara a plus confiance au monde que n'importe qui, en ce moment où je vous parle. En ce moment où je vous parle. Il n'a plus confiance à quelqu'un, à l'exception de sa femme et de son frère. Mais lui fait son petit calcul, il croit qu'il peut gagner ces élections-là, alors que ce n'est pas forcément le cas. L'exemple de l'enroulement des cartes nationales d'identité doit lui dire quelque chose. Ils ont fait tout pour étouffer la mobilisation des Ivoiriens, mais les Ivoiriens sont sortis nombreux et continuent de sortir pour aller s'enrôler. Malgré les difficultés, les Ivoiriens continuent d'aller. Donc ça, déjà, c'est un aveu d'échec de leur part. Deuxièmement, le 12, mon ami Ebi m'a rappelé, le 12 mars, la Cour africaine, je crois, des droits de l'homme et des peuples, je crois, la Cour de justice, là, le 12, a appelé le gouvernement et l'opposition pour aller les entendre. La décision de cette Cour-là est contraignante. Mais l'État de Côte d'Ivoire est en train de manipuler ce que la Cour a dit. Ils sont en train de donner une autre interprétation de ce que la Cour a dit. Parce qu'il y a celui qui a suivi, un certain Yacouba, qui a donné une conférence de presse la dernière fois. Et celui qui a suivi de la mise en place de la décision, c'est-à-dire de l'arrêt de la Cour. Et il a fait une conférence de presse dans laquelle il a démontré que l'État de Côte d'Ivoire est en total déphasage de l'arrêté de la Cour, que la Côte d'Ivoire ne respecte pas les décisions de la Cour. Donc je crois que lui aussi il sera là-bas en Tanzanie, je crois que c'est à Arusha, en Tanzanie, où ils vont débattre encore avec les avocats de la Côte d'Ivoire et les avocats du PDCRDA et puis de certains opposants. Alors je crois que nous n'allons pas laisser cette affaire de CENI-là, on va faire tout pour avoir une CENI consensuelle. Ouattara n'est pas candidat. Si ton bilan est propre, moi je ne sais pas pourquoi tu as peur de donner une CENI. Donne CENI et puis comment bana? Faut donner CENI là et puis c'est fini. On ne t'a pas dit de faire faveur. On dit d'être équitable et impartial. Moi je ne sais pas quel est le mot français ici qui est compliqué pour Ouattara. Donc l'actualité reste toujours animée. On va se retrouver. Laissons le temps aux autres aussi de pouvoir mieux s'exprimer. Hein? On ne peut dire que ce qu'on a dans le ventre, on ne peut pas tout dire aussi le même jour. Hein? Tout en espérant que les Ivoiriens, quand même, ce n'est pas seulement parler, parler, mais je souhaite aussi que les Ivoiriens prennent leurs responsabilités, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que ce que nous faisons déjà. Moi, quand je leur disais que nous, on prend plus de risques qu'ils ne croyaient pas. Voilà l'exemple de notre jeune frère Soumaoro, qui a été sauvagement agressé par plusieurs, pas une seule personne, plusieurs personnes. N'eût été Dieu, il a failli perdre la vie à Paris. Vous avez, et sous les ordres d'un ministre de la République. Alors, c'est pourquoi nous prenons ces gens de risque-là. Dieu merci, bon ben. On essaie de se protéger au maximum. On ne peut pas. C'est-à-dire que le changement, si les gens, par exemple, qui sont à l'extérieur prennent de tels risques, pour ceux qui sont à l'intérieur, je crois que ceux qui sont à l'intérieur aussi doivent prendre un certain nombre de risques. Je ne demande pas à quelqu'un d'aller se mettre devant des canons ou devant la barbarie de la police ou des militaires, non.
La Constitution donne aussi le droit, hein, aux gens de pouvoir s'exprimer. Je crois que les Ivoiriens ne sont plus seuls parce que nous avons fait un travail énorme. La communauté internationale aujourd'hui regarde énormément la Côte d'Ivoire. La preuve, quand on a commencé à parler de la Banque mondiale et que la Banque mondiale a voulu se faufiler, l'Union européenne a produit un document pour contredire ce que la Banque mondiale disait. Donc c'est pour vous dire que on est suivi quand même, on est regardé. Gardons le cap. Bon dimanche, merci à toi. Alors que Dieu veille sur chacun de nous et très bon week-end.